Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles chroniques Art de vivre à la Champenoise. Je vous emmène à quelques kilomètres de Reims. Nous sommes à Sermier. Nous sommes dans la ferme Le Petit Fleuri, la ferme Guizet. Et je vous invite à rencontrer Lucas Guizet qui présente l'exploitation. Et puis ensuite, on ira à Besanne dans la boucherie, restaurant qui vient d'ouvrir. Venez, je vous emmène. Lucas, merci de nous accueillir dans ta ferme. C'est une ferme de famille, c'est une histoire de famille, hein, la famille Guizet. Oui, oui, tout à fait. C'est une histoire de famille qui existe depuis 1961. Donc c'est notre grand-père qui a créé cette ferme et qui a ouvert son premier magasin à Reims pour pratiquer déjà la vente directe en 1961. Alors c'est un métier, c'est un sacerdoce aussi, tous les métiers agricoles quelque part, aussi notamment liés à l'élevage. Depuis que je suis né dedans, depuis que je suis petit, et c'est une passion qu'on a en soi et qu'on a dans les tripes, et ça s'explique... Ça s'explique pas forcément. Alors Guizet, il y a effectivement la ferme, il y a la boucherie, il y a un restaurant. On va y aller d'ailleurs tout à l'heure. Comment ça se passe quand une bête arrive ici? Parce que vous ne faites pas de naissance, hein, c'est ça? Donc déjà, on a un principe de base, c'est que toutes les bonnes choses prennent du temps. Et un autre principe, c'est bien nourrir ce qui nous nourrit. C'est les deux trames principal pour l'élevage. Donc les bêtes arrivent chez nous à l'âge de 8-12 mois à peu près, et on les élève durant 2 ans et demi, 3 ans en plein air, uniquement en bâtiment l'hiver pendant 2-3 mois, le temps de laisser passer les mois difficiles d'hiver. Ensuite il y a une phase d'engraissement sur les 6 à 8 derniers mois de leur vie pour obtenir la qualité de viande qu'on souhaite à la fin. Donc c'est un élevage qui prend 2 et 3 ans par bête sur l'exploitation. Alors les vaches vont effectivement en plein air, se nourrissent, il y a un soin particulier, hein, je crois, sur l'alimentation, hein. Durant l'hiver, on est sur du foin de l'exploitation à volonté, de la paille de la commune à volonté. Donc c'est un échange qu'on fait avec un agriculteur du village. Il récupère le fumier à la fin de l'hiver. On nourrit uniquement avec de l'aliment sec, donc c'est-à-dire que des aliments déshydratés, ce qui permet une meilleure tenue de la viande. Donc pulpe de betterave déshydratée, donc aliment local, et un mélange d'aliments de céréales français qu'on a sélectionné, avec lequel on travaille depuis maintenant plus de 30 ans pour amener le goût particulier qu'on peut retrouver sur notre viande. Alors aujourd'hui dans la ferme, il y a combien de bêtes au total? Alors aujourd'hui on a 80 bêtes sur l'exploitation, et on continue d'augmenter le cheptel avec l'ouverture de la nouvelle boutique à Besanne. Alors Lucas, on a parlé de l'alimentation en hiver, mais l'été, ça se passe comment? L'été, donc les bêtes sont dehors du mois de mars au mois de décembre, et elles sont nourries exclusivement avec l'herbe qu'elles broutent sur nos pâtures, donc sur nos prairies naturelles, qui n'ont reçu aucun apport chimique depuis que l'exploitation a été reprise en 1961. Quelques compléments alimentaires avec du foin quand l'herbe se fait plus rare, mais sinon vraiment le plus naturellement possible, et avec l'herbe de nos prairies. Alors nous sommes ici à Sermier, sur l'élevage, sur l'exploitation, et on vous emmène maintenant directement à Besanne. Lucas, on t'a vu tout à l'heure sur l'exploitation, alors tu es à la fois éleveur et boucher? Oui, comme mon grand-père et comme mon père, éleveur et boucher, deux activités qu'on mène en parallèle pour proposer à nos clients la meilleure des viandes. Alors Paul, c'est toi qui t'occupes de la boucherie, je crois? C'est plus ma partie, oui, effectivement, même si on essaye d'être un petit peu polyvalent dans tous les domaines entre les trois frères. Moi, je m'occupe plus de la partie boucherie, donc de la préparation des viandes, à la fois directement en vitrine pour les clients qui viennent chercher leur viande et qui repartent avec comme ça, et à la fois pour le restaurant.
C'est une très très belle boucherie. Vous avez vu tout à l'heure, on était sur l'exploitation, sur le domaine. Vous avez vu aussi le soin, le souci en tout cas de l'alimentation, le souci d'avoir une très très belle viande. Qu'est-ce que viennent chercher les gens finalement aujourd'hui chez Guizet ? Ils viennent chercher du bœuf local, du bœuf que nous élevons nous, avec les aliments qu'on connaît et qu'on leur donne, et aussi des viandes particulières comme le porc fermier d'Auvergne, qui est chez nous un porc de plein air, nourri sans OGM, comme toutes nos autres viandes, nos autres races de viande, pardon. Voilà, c'est cette proximité, le local, le circuit court. Alors je vous encourage vivement à venir à Besançon si vous êtes de passage, mais même si vous n'êtes pas de passage, faites le détour parce que l'assiette en vaut vraiment la chandelle. Et le choix de viande, si vous aimez beaucoup la viande, si vous aimez le soin, la qualité, c'est chez Guizet qu'il faut venir. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous suivez bien évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et puis aussi TikTok, puisque nous avons un compte TikTok. Et bien évidemment, vous retrouvez tous ces reportages sur artdevivrealachampenoise.com. À très vite.